Allume le four s'adresse à un public tous âges. C'est ouvert depuis octobre 2018. Les gens commencent à connaître et il y a une belle évolution au niveau de la clientèle. L'ancien site internet n'était plus trop au goût du jour et donc j'ai décidé de refaire un tout nouveau site internet avec commande en ligne. Les menus sont affichés tous les week-ends sur le site internet. Comme ça, les gens passent leurs commandes quand ils veulent et ils passent les chercher quand ils veulent aussi. Oui, je suis seul à cuisiner. La cuisine, c'est une passion. J'ai fait l'école hôtelière au CERIA à Anderlecht. Et puis après, j'ai fait quelques restaurants gastronomiques sur Bruxelles. Je ne voulais plus travailler en service coupé, mais par contre, le contact client me plaisait bien. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un service traiteur où les gens viennent chercher ce que je fais sans service coupé. Donc voilà. Alors, ce qui me différencie peut-être par rapport aux autres, c'est peut-être le choix des emballages. J'ai choisi de prendre des emballages qui sont sans plastique et sans aluminium. Et ils vont dans le four, évidemment, four et four micro-ondes. Alors aujourd'hui, nous avons une crème de potiron, une soupe aux lentilles avec une saucisse fumée dedans. En plat, il y a un bœuf bourguignon, une touffaille gaumaise, une quiche au chicon et au jambon. Je pense que c'est tout, hein. J'essaye de travailler avec les produits de saison. Effectivement, les plats sont faits à base de produits frais. Puis de temps en temps, je vais faire des menus spéciaux avec des producteurs locaux, comme le potager Gaumet ici à Sainte-Marie, et éviter d'aller dans une friterie manger des hamburgers ou des pizzas de grande surface ou ce genre de choses. Effectivement, c'est une très bonne alternative, c'est même la meilleure alternative.